C'est l'aboutissement d'un long combat, ce mémorial. Un combat d'associations, de citoyens, de responsables politiques. En parlant du passé du port négrier de Nantes, assumer cette histoire, non pas en cherchant à culpabiliser qui que ce soit, mais en étant simplement lucide sur notre histoire. Et ainsi, on est plus fort. Ce mémorial, lieu de méditation, c'est surtout un appel à nous mobiliser aujourd'hui pour lutter contre toutes les formes d'esclavage qui existent encore dans le monde. Le monde a fait beaucoup de progrès. L'humanité n'a cessé de progresser dans le sens des droits de l'homme, de la démocratie, de la liberté. Ce mémorial a aussi cette mission de nous interpeller sur tout ce qui existe encore et tous les combats que nous avons, nous, en tant que citoyens du XXIe siècle, à mener.